filles, vous n'oubliez pas un truc, là? Ah, et votre sujet? Alors, bienvenue dans ce nouveau post-it de Polychroma. Alors, le sujet de ce nouveau post-it, c'est le sujet, rien que le sujet. Ça fait des sujets dans ton sujet? Oui, mais le sujet, c'est le cœur de la photographie. Et se focaliser dessus est essentiel. Je vois trop souvent des photographies où le sujet n'occupe qu'une toute petite partie de l'image. Et ça rend l'image fade et peu lisible. Mais c'est quoi un sujet pour toi? Ah bien, un sujet, ça peut être n'importe quoi. Oh bah ça, c'est de l'info. Hein. Bah ça peut être une personne, un bâtiment, un objet, un détail, une forme, une couleur, une texture. Il y en a une infinité de sujets. Et c'est d'ailleurs le travail du photographe que de choisir avec précision quel est son sujet et de remplir son cadre avec tous ces sujets. Voilà. Si c'est une main qui vous intéresse, focalisez-vous sur votre main. Si c'est une personne et un bâtiment, focalisez-vous sur la personne et le bâtiment. Si c'est une maison, un arbre et un soleil, focalisez-vous sur la maison, l'arbre et le soleil. Voilà, exactement. Bon, bah toi qui es si malin. Quand je dis le sujet, rien que le sujet, qu'est-ce que ça sous-entend? Merci pour ta pertinence. Hein. Eh bien, ça sous-entend qu'il faut enlever un maximum d'éléments qui ne sont pas les sujets, les non-sujets. Plus vous arriverez à supprimer les non-sujets et à vous focaliser sur vos sujets, plus votre image sera claire, explicite et lisible pour celui qui la regardera. Et c'est déjà le début pour réaliser de bonnes photographies. Voilà. Ok, ok, ok. Bon, bah, toi, qu'est-ce que tu feras la prochaine fois que tu prendras des photos? Bah, je prendrai des mains. Ok, bon, eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, merci de me le signaler, partagez cette vidéo, et puis, bah, je vous dis à très bientôt.